Salut les gars, c'est le Baraque RC. Donc voilà, aujourd'hui premier test du camion. Donc pour l'instant il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travaux, enfin par exemple la fermeture etc, enfin bon vous savez quoi. Voilà, puis le TRX4 de Alex, donc que je vous ai montré auparavant, full option etc, c'est un sacré délire. Donc voilà, on va faire les tests. Donc allez, c'est parti, allez on y va. Bon, j'espère que ça va aller. Tu me suis derrière ou quoi? Quand même une space. Hein. Bon, tu sais, tu peux pas poter, hein. Oh. Ah non. Oh non. Non, quand ça veut pas. Comme ça. Voilà. Là chez Space a quand même la double direction là. Voilà. Space. Bah alors. Ça passe quand même à chouille. Ouais. Allez, vas-y. Par contre, il va falloir peut-être que tu sais que je prenne des cerveaux un peu plus costauds. Hein, parce que là, c'est des 15 kilos. Bon, après, je pense que je vais peut-être prendre chez AliExpress. Ce serait à prévoir. Vas-y, hop. Tant pis. Parce que là, je vois qu'il décroche tout le temps. Bon, après, voilà. Alors, est-ce que là ça va passer? C'est Space hein, quand même, les directions arrière. Après, c'est sûr, tu braques. Mais bon, après. Il n'y a pas cette puissance. Sur la fourmanche arrière. Ah ouais.
Votre parcours, il n'est pas trop officiel. Wow. Non, 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 on n'a pas. C'est pas les bons pneus. Attends, je vais me mettre derrière. Là, parce que j'ai pas envie qu'il se renverse. Voilà. Ah putain! Oh la femme! Elle craque! Attends. Voilà. C'est pour ça que je vais faire la tâche à l'arrière. Mais bon. Mais j'ai pas les bons pneus. Vas-y. Et je trouve qu'il manque de puissance. Faudrait peut-être opter pour un 550, tu vois, parce qu'avec tout le poids que t'as mis. Bah ouais. Au pire, tu mets un gros brushless là-dedans, hein. Là-dedans, tu vois. Ouais. Je crois que si t'avais les pneus qui allaient mieux, ça... Non, moi je pense qu'il manque du puissant. Non, il manque... Vas-y, attends. Vas-y. Ouais, bah je pense que limite t'as peut-être mis un peu trop de graisse. C'est peut-être ça. Parce que moi, même mon TRX4, après il est quand même bien plus lourd. Hein. Putain, en tout cas il chauffe. Ah putain, il chauffe. Le moteur ? Ouais. Ouais, il est brûlant. Oh, bah... Je te dis, je pense qu'il est trop... Ouais, t'en as trop. Hein? Si c'est ça, t'en as trop. Ouais, je sais, après, dans le cas extrême, si ça te fait toujours ça, tu investis dans un petit 550, quoi. Ouais, ils sont brûlés, ils sont chauds. Là, t'as un même voilà. Mais je pense qu'il doit tous les deux chemins. Il fait déjà un drôle de bruit, déjà, le début. Tu me dis que non. Mais pour moi, il fait des jeux du drôle de bruit. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais dû quand même regarder la graisse. Hein. Il faudrait que. Bon, après, j'irai bien. Et que je mette peut-être sur les vis. Les vis ah, c'est petites. En fait, t'as un sac. Sur la tâche moteur. Comme ça, en fait, tu as B, A, B, C, B. Plus le. Voilà. Bon, déjà, si mes deux moteurs ils vont. T'as encore ton. Ah ouais, non, c'est vrai que tu l'avais cramé ton moteur d'origine. Hein ? Ton moteur d'origine, tu l'avais cramé, il me semble. Mais tu l'avais testé avec comme ça ? Ouais, il fonctionnait pas. Parce que j'en avais un, j'ai branché dessus et ça marchait, donc c'était pas le variateur. Ouais, donc c'est bien le moteur. Déjà, je vais rechanger, je vais remettre les pneus d'origine. Ouais, bon, je vais pas prendre le geste quand même. Parce qu'ils sont plus longs, quoi, plus. Mmh. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé éventuellement à un 550. Parce que là, un petit 540, c'est vrai que pour celui-là, c'est quoi 540 ? Dimension moteur. Enfin, en gros... Le pignon ? Non, non. C'est là, au niveau de la dimension du... C'est tout simplement de la catégorie de moteur. En gros, tu vois les brushless quand on dit par exemple 3650, 3660 ? Ouais. Bah en gros, là t'as un 3650 et le 550 c'est à 3660. C'est un moteur légèrement plus long mais il est beaucoup plus coupleux. Après tu consommes ouais, un peu plus. Oui, de toute façon, si tu passes la longueur, il est plus petit que l'origine. Mmh, ouais. Après, il faut dire que t'as mis quand même, tu l'as mis quand même beaucoup dans la transmission. Hein.
j'ai réglé tout ça à la maison. Voilà. Attends, là j'ai un peu peur quand même. Là je me disais bien, il y en a une qui allait partir. Après je pense que ouais, niveau hauteur là je suis bien. Niveau garde au sol, bon après ça fait un peu moins réaliste, mais bon je préfère ça quand même, au lieu que de taper la carreau. Ah non. Voilà, hop, je vais le laisser. Tiens, t'as sorti un granit ? Ah, qui l'a racheté ? Ouais, je l'ai racheté. Ah, c'est un bon véhicule. Ouais, c'est plus... Eh non, Stéphane, tire-toi de là. C'est pas fait pour ça. C'est plutôt Nathan qui l'utilise. Ah ouais, d'accord, c'est la version brushless, il me semble. Non. Stéphane, ouais, c'est ça, ouais. Stéphane, ouais, faut pas monter hein, parce que ça se pète la gueule. Hein. Voilà, hop, tout le chemin. Voilà tout le chemin. Oula, fais gaffe à la trappe. Non, c'est moi qui suis sauvée. Non, papa, là, c'est une zone dangereuse. Ah, moi, fou, j'y vais quand même. Alors, je vais où ? Faire un demi-tour. Attends, monte pas sur le truc, on t'a déjà dit. Voilà. On va se mettre et puis hop. Allez, on y va. Attends, je vais quand même bien la mettre là en carreau. Écoute. Voilà. Là, on est bien mis. Allez, c'est parti.
petite voiture. Un tout mini voiture. Voilà. Se mettre, je vais faire un contour le bord. Allez, c'est parti. Voilà, vise bien. Voilà, allez. Hop. C'est parti. Mettre droit. Voilà. Là, je suis vachement concentré. Voilà. Encore un peu. Voilà. Ah ouais, c'est un monstre. C'est pas un monstre, mais bon. C'est un 4x4 camion. Voilà. Ah bah c'est pas son but hein. Oh tu vas tomber ta roue. Oh ton pneu il est gonflé. Attends. Hop. Non bah c'est normal. Il est sous-gonflé. C'est voulu ça. Et encore. Remettre. T'en bouge pas s'il te plaît. Voilà. Ah non, c'est la roue arrière qui... Ouais, mais non, là c'est la roue arrière. C'est pas grave là pour l'instant. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Voilà. On y est. Voilà. Attends, là, j'avance. T'en touches pas, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, on y va. C'est pour ne pas tomber. Là, ça va être dur, là. Voudrais l'avoir. Oh, tu peux le laisser comme ça. Non,
Maintenant, comme j'ai pas de frein à main, tant pis, je vais faire à la main comme ça. C'est quoi le frein à main? En gros, c'est ce qui permet de ne pas descendre trop vite. C'est de descendre un voilà, petit hop. Peu. Ouais, attends, touche pas, touche pas. Ouais, comment? Ouais, il y a encore un petit peu de frein à main, mais il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand main. Voilà. Et là, si on passe là. Voilà, c'est bon. T'inquiète pas, il va pas tomber. Voilà. Non, parce que j'ai pas fait la fermeture arrière, c'est pour ça. C'est que je la retiens. Et tant que je l'ai pas fait. Non, celui-là, je préfère pas. Mais alors, vraiment pas. Est-ce que t'as un autre 4x4? Ouais, mais il est pas là. Il est dans ta maison? Ouais. T'as qu'à le ramener? Je suis à... Voilà, hop, tout doucement. Mmh. Là, je touche. Non. C'est bon. Allez, hop, on y va. Comment il a pu réussir à monter un truc aussi haut? Après, tu vas prendre quoi? Ça, les pneumatiques, ils font beaucoup, hein. Oh, je l'ai pris tout à l'heure. Oh, ah, celui-là. Pareil, tout à l'heure. J'avais pris tout à l'heure. Moi, bon, j'ai pratiquement tous. Je pourrais essayer après. Non. Pourquoi? Parce que celui-là, je prends vraiment particulièrement soin. Et en plus, qui est pas terminé. Il n'est pas encore fini? Non. Il n'est pas encore fini avec, du coup? Bah parce que la partie mécanique c'est bon, elle est finie. Donc là c'est pour tester, pour voir si tout va bien. Mais après... Hey, il est cool. Tu peux essayer de monter ici? Allez, monte ici. Voilà, hop. Bah tu vois, tant que j'ai pas fait la fermeture arrière, parce que là je touche. Voilà. Là on est bon. Je vais faire de l'autre sens. Alors là je sais pas si avec le pare-choc ça va passer, mais bon. Enfin, il n'y a pas de pare-choc. Je vais mettre là. Allez, c'est parti. C'est très très délicat. Parce que ça joue vraiment. Ça joue vraiment sur la précision, ça. Voilà. Et là. C'est vraiment juste ça. Voilà. Hop, c'est bon, je suis engagé. Pourquoi tu prends du temps? Parce que, comme je t'ai dit, si tu fais un... Si tu vas trop rapidement, c'est sûr que tu te vautres, mais meumeux. C'est comme les escalades. Hein. C'est quoi? C'est comme en escalade. Que tu peux faire? Deux. La voiture, c'est quoi la vitesse au chemin?
Bon, en vrai, celles que j'ai à la maison, elles sont tellement différentes que... Voilà quoi, j'ai pas de préféré. Et elle va avant ? Elle va avant ? Celle-là, elle est... Celle-là, elle est... Bah, elle est... Je l'ai fabriqué que pour le franchissement pur. Hop. Allez, hop. Allez, hop. Là, on va bien se mettre. Voilà. Sans accro. Et celle-là, je crois qu'il passe pas. Toujours essayer. Mais bon, je pense qu'il passe pas. Ah si, il va passer. Non. Pourquoi tu mets pas le maximum? Parce que encore ça. T'as mis le maximum. Va pas ici, Stéphane. Tu vois? Tu vois, le problème c'est que si tu fais maximum, pareil. Là ici tu dérapes complètement et là tu le vautres. Oh, c'est ça le crawler. Ça, celle-là, c'est vrai que j'ai pas faite. Hop. Allez, on va voir si allez, c'est parti. Par contre, évite de te mettre là, s'il te plaît. Ouais, il passe tout seul. Et hop, et puis de l'autre côté, je suis quoi au niveau des pneus? Ah non. J'ai mal visé à l'arcomache. Non. Toi tu veux pas. Non, je suis trop étroit. Voilà. Attends, hop, là est-ce que je suis bon? Pourquoi ça? Bingo. Ça a besoin de lui. Ah, parce que c'est cool. Là je suis bon. Allez, tout le chemin. Oh. Vas-y, excuse-moi. Voilà. Allez, hop. Voilà, et après là. Après tu pourras essayer celui-là. Celui-là non, pas pour l'instant, tant que j'ai pas fait la fermeture. Regarde, tu vois. Et là tu vois, c'est sur celui-là ça fait ça. Alors je te raconte même pas le deuxième. Ça va le casser. Pourquoi elle est autant abîmée la coque? C'est fait exprès, c'est pour lui donner un effet vraiment vieux. Ça c'est des effets de peinture, etc. Bah là, j'arrive plus. Ouais, je me souviens dans le truc là, je voyais, tu vois, des gris trucs.
Moi, ouais, je vais le remettre. Voilà. Et là, du coup. Ouais, donc c'est à voir aussi là, ce qu'on pourrait faire avec la cabine. Ok. Bon ben voilà. Le test est terminé. Donc bon, pour l'instant ça me l'air d'être concluant au niveau mécanique. Après il y a encore 2-3 petits détails à faire, notamment fermeture arrière, éventuellement faire peut-être une petite attache à l'arrière pour la cabine pour éviter qu'elle se... Après. Ouais, je verrai bien. Allez, ciao.